Moi, c'est Lola, mais tout le monde m'appelle LOL. Et bah franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. D'abord, il y a le lycée. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Vous allez rire. Que vous me voyez là, je suis au maximum. Ensuite, il y a les mecs. Ils m'énervent. T'inquiète pas, c'est pas le style de mère. Je veux pas que ça pourrisse notre amitié, Lola. Et pour finir, il y a ma mère. Ouh. Mais Lola, comment tu t'es épilée, là? Maman! Bah quoi, maman? C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. Mais ceux-là, personne les a vus, hein. Elle fume, Lola? Ça va pas, non. Papa se retape maman? C'est pas vrai. Ah, tu sais, moi, ça fait longtemps que je crois plus du tout à leur histoire. Tu vois pas d'autres femmes à part moi? Je vais te demander un service. Mmh. Je veux pas qu'on fasse l'amour. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais fais-le avec ton mec. Lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. Mais j'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. Vous êtes vraiment tarés, les meufs, hein? Je l'aime. Lola! Alors, on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein? Oh, maman, ça va, hein? C'est pas drôle. Ah si, avec les enfants, je culpabilise pour tout. Je pense que tu penses trop. C'est pas si grave. Je te rappelle que t'es son modèle sur Terre. Si elle commence à te suivre sur la route du cul,